Alors, je viens de Port-Sainte-Foy, de l'autre côté de la rivière. J'en suis vraiment désolé, effectivement, mais disons que, bon, ayant travaillé moi dans le commerce à Sainte-Foy-la-Grande, il y a quelques années aussi, je peux vous dire que j'ai vu changer la ville rapidement et la désertification, tous les commerces qui ferment les uns après les autres. Donc oui, j'ai bien vu la ville changer et je le déplore parce que c'était une ville commerçante très agréable. Pour attirer les gens à Sainte-Foy, il n'y a pas que la Bastide et le marché. Le marché reste très attractif, mais il faudrait que ce soit attractif tous les jours. Donc il faudrait redynamiser la ville de façon à ce qu'il y ait beaucoup plus de commerçants qui se réinstallent. Une vitrine sur deux est à louer ou à vendre, donc c'est pas intéressant. Redynamiser le commerce à Sainte-Foy, c'est pas évident de redynamiser le commerce à Sainte-Foy. Parce que l'explication du gros centre commercial qui a fait fermer des petits commerces à Sainte-Foy n'est certainement pas la seule explication. C'est certainement une question de gestion de la ville également. Je vous dis qu'il commence par le stationnement payant. La chasse au PV, ça n'encourage pas les gens à venir faire leurs courses. Et d'autre part, il faudrait peut-être attirer les commerçants avec des loyers plus bas, avec, je ne sais pas, avec des manifestations commerciales beaucoup plus souvent que le marché ou que la fête annuelle, quoi.